Christophe Béchu, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas à Shanghai par hasard, vous préparez un événement d'ampleur mondiale qui va avoir lieu à Angers au mois d'octobre. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit en fait du World Electronic Forum, c'est-à-dire le Davos de l'électronique, qui a été créé en 1995 par les grandes fédérations d'électronique, et en particulier déjà par Gary Shapiro, et qui va poser ses valises pendant quelques jours, fin octobre, en France et à Angers. Alors, c'est un double événement. D'abord, c'est un événement parce que, habituellement, c'est plutôt un événement qui se tient en Asie et en Amérique au sens large. La dernière fois que le WEF est venu en Europe, c'était en 2005 et c'était à Londres. Donc que ça ait lieu en France et à Angers, qui n'est pas encore une capitale nationale, c'est évidemment un événement très particulier, et on prépare ça en venant à la rencontre des différentes fédérations asiatiques, en particulier à l'occasion du CES Asia, pour convaincre un maximum de CEO ou de CTO de venir à Angers pendant ce moment-là pour valoriser la France, la French Tech et Angers évidemment. Comment avez-vous fait pour convaincre Gary Shapiro de vous confier l'organisation de cet événement ? On va dire que c'est un travail de relations publiques de longue haleine, et que ça a été aussi l'occasion d'appliquer le principe de la disruption dans le domaine de l'organisation d'événements. C'est-à-dire que, comme on était incapable de proposer la même offre que Shanghai, Adélaïde, Singapour, Hong Kong ou Washington, pour citer des villes qui ont accueilli cet événement, on a décidé de ne pas miser sur la taille, de miser sur les châteaux, de miser sur les vins de Loire, de miser sur l'authenticité, sur la France et aussi sur ce qui est en train de se passer en ce moment avec le dynamisme des startups françaises et avec cette petite musique Francis Bach qu'on entend vraiment de plus en plus. Bon, vous avez donc de sérieux concurrents en face de vous. À quel moment est-ce que vous avez su que ce serait effectivement Angers, et comment vous l'avez appris, de quelle manière vous l'avez appris ? En fait, le vote définitif s'est fait à Hong Kong en novembre dernier, et l'officialisation a eu lieu à l'occasion du CES cette année à Vegas. On va dire que dans le courant de l'année 2016, au fur et à mesure que les mois ont passé, le nombre de concurrents a diminué, et on a su quelques jours avant Hong Kong qu'il n'y avait plus aucun doute sur le fait qu'on serait les lauréats de cette édition 2017. Alors, en un mot, à quoi on peut s'attendre en octobre à Angers ? À quoi ça va ressembler ? Il faut s'attendre à entre 150 et 200 leaders, parce que ce n'est pas un événement qui draine des milliers de personnes, mais qui draine des décideurs. Ils vont avoir un temps à huis clos. Alors, ça va se passer de la manière suivante. On va s'appuyer sur le CES Unveil, qui aura lieu le 24 octobre. Le soir du 24, Xavier Niel va ouvrir les portes de la station F pour une petite réception privée dans le plus grand incubateur du monde, pour que ces grands patrons qui vont venir d'Inde, des Philippines, d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie puissent découvrir aussi ce que nous sommes en train de faire. Puis le 25, on les emmène en Anjou. On les enferme pour leur temps à huis clos dans l'abbaye royale de Fontevraud, où est enterré Richard Cœur de Lion, et où ils vont avoir du temps entre eux pour faire ce qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire une journée d'échange sur les tendances, sur les évolutions, sur les défis qui attendent l'industrie du digital au sens large. Et puis après, on va valoriser notre territoire avec des itinérances autour de sept thématiques: la smart agri, la smart santé, la smart mobility, les smart cities, et avec à chaque fois un site emblématique à l'intérieur duquel les startups, les écoles d'ingénieurs, les chercheurs, dans la continuité d'une visite où les patrons pourront toucher ce que nous faisons, auront des temps d'échange pour mesurer ce qu'est l'environnement favorable au digital local. Donc quelques exemples, on va les emmener chez Thales, où il y a un millier d'ingénieurs près de Cholet qui développent des solutions intelligentes. On va les emmener sur le circuit des 24 heures du Mans pour parler d'automobiles intelligentes. On va les emmener à l'hôpital d'Angers, où on a un centre de simulation avec des mannequins qui permettent de se tester sans que ce soit des cobayes humains, mais aussi chez Terena pour regarder comment les drones ou les capteurs permettent à l'agriculture aujourd'hui d'être intelligente et d'améliorer sa productivité. Et puis enfin, on terminera par un temps grand public avec des médias français, BFM, RMC, des grands titres de presse nationaux, pour des temps d'échange et pour des keynotes avec Gary Shapiro,
qui viendra devant les Angevins et devant les médias français pour faire cette keynote.